Il y a des livres qu'il faut lire, toutes affaires cessantes. C'est-à-dire, on suspend toutes ces autres lectures. Moi, je lis toujours plusieurs livres à la fois. Et pareil, quand le cadio nouveau arrive, eh bien, moi, toutes affaires cessantes, je pose les autres livres et je commence mon petit cadio. Histoire de la littérature récente. Dans le livre, il y a une sorte d'antidéclinisme qui est magnifique, parce que tout le monde, évidemment, se plaint. Il n'y a plus de littérature, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de langue française. Et lui, dans ce concert désespéré, il fait entendre une voix peut-être mélancolique, mais aussi, il y a de quoi rire de tout ça, et il y a toujours de quoi écrire. Finalement, même quand il n'y a plus rien à dire, écrire, ça, c'est possible. Et ce petit livre le montre. C'est bien gentil tout ça, mais n'oubliez pas de mettre de l'air à l'intérieur. Ça ne veut pas dire obligatoirement disposer du blanc. Certains poèmes, même avec beaucoup de vide autour, peuvent rester trop épais. C'est vrai, il y a des livres, immédiatement, vous avez envie d'ouvrir toutes les fenêtres, vous n'en pouvez plus, c'est tellement mal dit, mal écrit. La littérature, c'est peut-être l'air qu'il y a entre les mots aussi, c'est le courant qui passe, c'est la fluidité, c'est pas forcément le conglomérat des mots. Pas d'inquiétude, la littérature est toujours récente. Elle affleure, elle fait de petits courants, elle est rapide, elle se faufile.